Qu'est-ce que tu fous? Un peu de jardinage, je plante des choux. Conseiller vertueux, voilà votre façon de servir serviteur qui pille la maison dont vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sans brûler l'Espagne agonise en pleurs. Vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous regarde en riant comme si votre n'était plus qu'un fantôme, la Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. C'est quoi ce bruit? Vous entendez ce bruit qui gronde? Qu'ai-je entendu? Rien. C'est qui la grosse dinde? Personne. C'est quoi ce bruit? Ça commence comme un murmure au loin. Des seins comme des petites vaches, il a dit. Il n'a rien dit, Marie-Gabrielle. Elle a dit ta gueule, elle a dit ta gueule, elle a dit ta gueule! Les vrais hommes aiment les gros seins! Tu veux vraiment que mère supérieure la prenne? Oh, la vie, elle est grande. Pom. C'est quoi ce bruit? Vous l'entendez, ce bruit qui gronde? J'ai lu quelque chose sur le beurre allégé. C'est effarant! Appelez-moi Jacques. Raconte! Ça commence comme un bruissement au loin. Regarde les joueuses, ils ont tellement de choses à dire et à faire. Toi, t'as accroché un radeau et tu dévales le fleuve du non-sens. Pourquoi tu pleures plus? Parce que t'as plus de raison. C'est insolite. Cette solitude inextricable qui pèse lorsqu'on ne l'attend pas. Être né là où les tambours grondent et les harmoniques vibrent. Aide-moi. 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 Aide-moi! Arrêtez net! Là, l'un des plus anciens systèmes de cryptographie aisément déchiffrable, finalement, consiste à décaler les lettres d'un message pour le rendre illisible. Tel que. Ya. Bonsoir, Lord, c'est vous qui avez commandé l'exécution pour demain. Tout à fait. Je suis pas folle, vous savez. Va-t-il falloir que je la casse, ta foutue caboche, pour y faire entrer quelque chose? Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort va et vient. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler, comme des abeilles dans une ruche de verre. Le cœur de ces pratiques est de libérer l'amour bienveillant, d'une part, comme accueil entier à ce qui est, une manière fondamentale de dire oui à la vérité de l'être de chacun, d'autre part, comme chaleur qui réchauffe en soulageant l'étouffant sentiment d'être isolé, séparé des autres, voire abandonné, et enfin comme ouverture, libre de toute saisie ou crispation. Il est recommandé de commencer cette pratique par soi, car c'est à partir d'un sentiment d'amitié envers soi que l'amour peut irradier avec justesse et de façon poignante. On peut alors s'adresser à nos proches, auxquels nous souhaitons 24. Être heureux, satisfaits et en paix. Le pratiquant diffuse ensuite ses sentiments à tous les êtres, y compris ceux qui méritent ou lui ont fait du tort. Viens voir. Par l'aveuglement de, et la haine. Comment tu fais, toi, pour bien le mettre? Les chiffres pairs. C'est ça la clé? Enfin. Excepté pour le 3. Pourquoi le 3? J'adore le 3. Quand trois poules s'en vont en chant, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième va dernière. Quand trois poules s'en vont en chant, la première va devant. Celui que m'avait prêté Violette était vraiment mieux. Redoublons. Redoublons de travail et de soins. Feu brûle. Chaudière.
séparée des autres, voire abandonnée, et enfin comme une ouverture, libre de toute saisie. Ça ne va pas. Crispation. J'en ai 203. Jamais 203. J'en ai 203. Jamais 203. Arrête! Jamais 203. Rends-moi mon rouge à lèvres. Jamais 203. T'es en train de l'exploser là! Jamais 203! Jamais 203! Donne-moi ton carnet! Jamais 203! Jamais 203! Jamais 203! Il est le fruit du nombre! Jamais 203! Sept ans de malheur! Sept ans de malchance à cause de tes conneries! Tu mens! Arrête de compter! Arrête de compter! Il est quelle heure? Il est quelle heure? 19h31. Mon costume. Si vous voulez mon avis, ce soir, ça va être un fiasco. À quoi ça sert de dire ça à 20 minutes du début? Non, mais c'est juste que tout le monde est dans son coin. Moi, j'appelle pas ça intime. Qui est-ce qui a pris ma boucle d'oreille? Faut se calmer. Hé, Rose. Je vous préviens. Vous avez un qui a pris ma boucle d'oreille, s'il te plaît. Ça c'est vraiment qu'il ait pris sa boucle d'oreille. Rose. Tout à l'heure, je l'ai vue au pied de Cléandre, ça m'a dégoûtée. Mais m'accuse pas, moi. Ça va, elles sont propres, mes chaussettes. Hein. Super. Mais n'oubliez pas qu'on habite un corps. Mais j'ai t'aidé à la trouver. Et que même mort, il danse encore. Tu te moques de moi? Elisabeth? Voilà. C'est bien beau d'accuser les autres. Gamin. Excuse-moi, Thatcher. Ah, vraiment? Bien, nous voilà bien, avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde. Qui nous maltraitent, qui font les fiers et qui nous regardent comme des vers de terre. Et puis parce que ce n'est pas fini. Voilà de nos gens qui prendront pas une occasion pour nous considérer 100 fois, quoi, 1000 fois plus honnêtes gens qu'eux. Ça va, Loine? Oui, toi? Ça va. Il reste 10 minutes avant le spectacle. Tu fais quoi là? Juste une photo? Souvenir. Allez, on fait une photo. Non, mais arrête. Ouais, non, en fait, c'est une vidéo. Mais vas-y, dégage là. Mais sinon, je l'aurais jamais. On peut, je vais même pas monter son maquillage. Allez, c'est bon là. Tu es prête? Anouk, sérieux? Non, je suis en train de bosser là. Ouais, je suis assez sensible aux traditions et tout, parce que c'est ma grand-mère qui m'a transmis tout ça. Je sais que Georges est parti manger un grec. Qui Georges? Non, tu connais, Acte 5. 10 mai. Ah ouais. Okay. Régis, viens voir, j'ai une question. Il y a combien de projos? 53. Comment ça? Bah 53, il y a 53 projos. Mais non, mais où ça? Bah il y en a 45 sur le grill et 7 au sol. Et moi j'en ai compté 54. Bah recompte-les. Coucou tout le monde, hello. Ça va? Ça va et toi? Oui, tu peux m'éteindre le son s'il te plaît? Merci. J'ai pas encore vu Joséphine et Georges. Ils vont être là, mais est-ce que vous avez des nouvelles? Vous en appelez ou... Georges est sorti. Elle est sortie où? Elle est au grec. Je crois qu'elle a mangé un truc très grave. Elle est en costume? Elle est en costume? Bon bah c'est déjà ça, mais... Je l'appelle... Le stress monte, ça se voit vraiment sur ta tête. Dans 10 minutes. Et tout va bien, petit.
On a le même rouge à lèvres. Quoi. Très bleu. Très vert. C'est bleu. Attends. Georges, oui, c'est peiné. Je m'inquiète un petit peu, là. T'es où? Ouais, mais c'est bientôt à vous. Tu fais vite, 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 hein. Ok. Ok, à tout de suite. Bon, Georges arrive, c'est déjà ça. Et José, on ne sait pas. Joséphine, on ne sait pas. Non. Par contre, j'ai une petite question. Je viens de croiser Régis. Oui. Je viens de croiser Régis qui m'a dit qu'il y avait 53 projecteurs, mais j'en ai compté 54. Oui, bah et alors, et mais alors c'est lui qui t'a demandé de les compter. Non, non, c'est. Enfin, c'est pour moi, mais genre sur le plan de coupe. Oui, mais ça, c'est Régis qui s'en occupe. T'inquiète pas, non, mais t'inquiète pas. Ok, alors je vais aller le voir et je vais lui demander. Mais non, là je préfère que tu t'occupes de toi, d'accord? Concentre-toi sur ton rôle, vous êtes bientôt sur scène, je préfère que tu te concentres, d'accord? Attendez. 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 C'est quoi ce bruit? Vraiment con. Toujours le même. Alors je connaissais ça et tout parce que tu sais, elle a raté trop de trucs. Oui, non, mais bon, la dernière fois, elle était. Ouais, mais c'est flippant. Et du coup, si jamais il y a besoin, moi, je peux la remplacer. Voilà. Ah. Voilà. T'es drôle. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais c'est une vraie proposition. Oui, je comprends bien, mais t'inquiète pas, elle va arriver. C'est juste que je. Toi, t'as déjà ton rôle et tout. On va pas superposer les. T'inquiète pas. Si elle avait un problème, elle m'aurait prévenu, quoi. Je te jure, j'étais. Ah ouais. Bah oui, enfin t'imagines bien que. Oui. Ouais, mais c'était. Ah mais incroyable. Attends. Ouais. Je te rappelle. Ouais, je dois y aller là. Bah oui. Bah j'ai une bonne raison. Attends, tu rigoles ou quoi? Mais c'est ça. Bah ça arrive à tout le monde après, donc. Est-ce que c'est possible de ranger mes affaires? Oui, mais c'est pas très important. On est tous ensemble. Mais c'est important. On vit ensemble. Rose, elle est où, Chris? Mais je n'ai rien à foutre de tes possibles. Non, stop. Personne n'a dénigré la place de chacun. Moi, je m'assois ici. Arrête, je vais pas me faire avec les fins du jour. Mais ta place, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Ta place, elle est là-bas. Je vous ai tout mis sur la chaise. On doit être ensemble. C'est un moment de chaleur. Dans 10 minutes. Je veux bien prendre sur moi pendant un moment, mais là, je n'arrive pas. Non. Je comprends. Au bout d'un moment, c'est quand même pas compliqué de lire des étiquettes. Tu laisses trop les palettes. Les humeurs de chacun, je demande pas de changer. Juste pour respecter les choses, c'est pas compliqué. Qui avait besoin de vous? Mais j'ai besoin de vérifier, c'est important. Alors moi, je vous respecte dans
en singularité, mais au bout d'un moment, chacun son espace. Bah oui, chacun son espace. Yolo. Bien. Je suis venue vous aboucher quelques mots dans ce fantastique cénacle avant le lever de rideau imminent maintenant. Comme vous le savez, mon travail porte uniquement sur le théâtre contemporain. Parce que le théâtre majoritaire serait exsangue sans un théâtre minoritaire. Et vous, vous êtes le théâtre de la pluralité. Vous êtes tous pluriels dans vos singularités. Malgré mon acrimonie, je concède, j'ai confiance en vous. J'ai vraiment confiance en vous. Je, vous, nous sommes tous formidables. C'est un truisme. Ziza, plus de venettes, n'oublie pas. Hein. Une inspi, deux expi. Visualisation positive. Self-accomplishment. Là, ça va. Formidable. Formidable. Ce soir, ce grand soir, vous serez infrangible, nitessant de talent et d'audace. Je vous en fais là créantement. Vous serez le reflet le plus immédiat de la vie des hommes. Un miroir tendu à notre époque. Par le théâtre-texte, d'abord. Comme vous le savez, j'ai toujours été très attirée, très attachée par le théâtre-texte. Les sentiments, les sensations, l'intuition, le brassage des idées, la réflexion, le rire et les larmes. Et pourquoi pas le plaisir et le divertissement. Je vous regarde, chacun. Je vous vois. Et je suis émue. Excusez-moi. Pantelante, dirais-je. Parce que le moment de m'effacer. Et pour vous, de mettre en Gésine mon bébé. Notre bébé. Nous l'avons tous veillé, cajolé, vu grandir au fil des labeurs des répétitions. Alors, pour finir, je dirais que le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela. Le théâtre, le vrai théâtre, c'est ceci et cela. Alors ébaudissez-nous et soyez merveilleux. Je vous raconte un truc. C'est à vous dans 30 secondes. Merde à tous.
hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you.